Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jack Pliskin qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour un nouvel épisode d'Arcademy, l'émission qui traite du mode arcade dans les jeux de baston. Et aujourd'hui je ne vais pas parler forcément d'une version arcade d'un jeu de baston puisqu'il n'y a pas à proprement parler de mode arcade dans ce jeu, mais à l'occasion de la sortie du nouveau Smash Bros sur Switch, j'ai voulu revenir presque aux bases du jeu. Puisque j'avais déjà testé auparavant la version donc Super Smash Bros Nintendo 64, la version Melee sur GameCube, et entre temps est sortie, eh bien oui, sur la Wii, eh bien la version Brawl, donc Super Smash Bros Brawl sera le thème d'aujourd'hui, le jeu testé. J'appuie donc sur un bouton et je me lance dans une aventure incroyable. Alors qu'est-ce que l'on a déjà dans ce jeu fabuleux? Eh bien moult modes de jeu, le mode groupe qui est tout simplement en fait le mode Brawl de base, hein, qui en fait va recenser tous les combats, on va dire, classiques. Donc un mode Brawl tout à fait régulier, on peut changer les règles, on peut faire des combats spéciaux, des tournois, on peut faire des roulements, ce genre de choses aussi. C'est pas ce qui va nous intéresser dans cet épisode. On a donc le online, alors je joue sur émulateur évidemment, alors attention, n'appelez pas la police, je détiens encore le jeu chez moi en physique, donc j'ai le droit de faire une vidéo sur un émulateur. Le coffre, c'est là où on va retrouver en fait toutes les petites choses en plus, donc des trophées, des vignettes. On peut créer son stage, on peut prendre des photos, avoir des petites parties d'anciens jeux. Encore une fois, des vidéos, des défis, en veux-tu, en voilà, bref, plein de choses à faire. Les options, rien de très incroyable pour cette chose-ci. On peut changer voilà, l'anti-saltimon ou non, les vibrations, les musiques. Les données, c'est pareil, c'est les films, statistiques plein de choses. Et le mode solo. Deux choses très intéressantes, surtout dans ce mode solo. Alors nous, on va s'intéresser au mode classique, hein, ça va remplacer le mode arcade. Et il y a un mode aventure, l'émissaire subspatial, pardon, qui est en fait une espèce de gros mode aventure, avec des phases de plateforme, avec quelques morceaux d'histoire, des cinématiques, en voiture, voilà. Bref, un mode où il y a plein de choses à faire, des événements. Donc là, c'est pareil, ce sont des défis à check avec des, on va dire, des combats un peu particuliers. Le stade qui comprend des mini-jeux et un mode entraînement qui, par contre, lui, est assez basique. Hein. Il suffit juste de placer un adversaire devant nous qui ne va rien faire forcément. Et on va lui taper dessus allègrement. Donc, le mode classique. Le mode classique, il y a moult personnages dans ce jeu. Il y en a en tout et pour tout, je crois, 35. Alors, tous ne sont pas disponibles dès le départ. J'en ai débloqué que quelques-uns. Juste pour mon plaisir personnel, tout simplement. Mais il y a en tout et pour tout 35 personnages issus principalement de jeux à licence Nintendo, bien évidemment. Alors oui, je ne l'ai pas dit au début, hein. Alors c'est édité par Nintendo et développé par Sora. C'est sorti sur Wii en 2008, voilà, pour les informations qui n'intéressent personne. Donc, jeu Nintendo oblige, grand nombre de personnages issus de diverses licences de chez Nintendo sont présents, avec notamment donc, Mario, Donkey Kong, Link de The Legend of Zelda, Samus de Metroid, Kirby de Kirby, Fox de Star Fox, etc. etc. On a aussi, en petit nouveau, en petit guest, eh bien, deux personnages issus d'éditeurs tiers. Nous avons donc Snake, le célèbre mercenaire, qui vient évidemment de la saga des Metal Gear Solid, hein, une saga que j'apprécie tout particulièrement, vous le savez maintenant désormais. Et il y a aussi, alors que je n'ai pas débloqué, Sonic, hein, Sonic l'hérisson bleu qui va, ma foi, très vite. Pour ce mode classique, nous avons un certain nombre de vies à sélectionner. Alors, je joue en mode 5 pour le principe, normalement ça devrait le faire. Et 5 niveaux de difficulté, donc facile, normal, difficile, pro et extrême. Pareil, hein, pour conserver un certain plaisir de jeu, je vais laisser en normal. Et pour ce faire, je vais donc choisir, bien évidemment, Snake. Ah, je suis content. Je suis content puisqu'il revient enfin pour Smash Bros. Ultimate sur la Switch. Et avec quelques petits changements à son actif, mais ça, j'en reviendrai peut-être dessus d'ici quelques instants. Différentes couleurs, hein, donc on a un délicieux imprimé bête sauvage, c'est formidable, Snake a un goût, voilà, incommensurable, c'est Christina Cordula qui serait contente. On va laisser en tenue classique et c'est parti. Alors, plusieurs stages à parcourir pour voir le goût de ce mode classique, alors pas grand chose à proprement parler de particulier au début, hein. Après viendront donc des combats un peu plus spéciaux, avec bien évidemment pour dynamiser la partie, entrecoupé de stages bonus. Pareil, alors ça, je reviendrai dessus en temps et en heure. En termes de gameplay, comment ça se joue? C'est très simple, ça se joue de la même manière que le précédent Smash sur GameCube, puisqu'en effet, vous avez toujours une touche pour sauter, on peut effectuer des doubles sauts, voire même plus que ça pour certains personnages. Vous avez la possibilité de donner des coups normaux, tout simplement, avec la touche A sur GameCube de base.
et il existe aussi donc des coups spéciaux qui sont propres à chaque personnage avec la touche B et une direction ou non, hein, ça dépend simplement de l'action que l'on veut réaliser. Alors là je me concentre là, donc on est 2 contre 2, j'ai un allié pour le coup. Voilà, on est contre les frères Kong, enfin pas les frères. Qu'est-ce qu'ils sont en fait? J'ai jamais su ce qu'ils étaient, ils sont juste amis, hein, Donkey Kong et Diddy Kong. C'est pas une histoire de neveu, de cousin, de je sais pas quoi, de frangin, je sais pas trop ce que c'est, hein, surtout c'est de parfaits inconnus. Appelez la police, le pauvre Diddy Kong, il s'est fait kidnapper. Et voilà, donc là, on peut le voir, hein, j'utilise quelques coups spéciaux. Alors, la bande verte, hein, ne vous inquiétez pas, c'est un glitch de l'émulateur, normalement une image qui s'affiche. Ah, donc là, on va se battre contre un grand carapuce, ça va, ma foi, très très vite. Ah oui, donc dans le stade Pokémon incroyable pour les combats d'arène. Et voilà, c'est déjà fini, puisqu'en effet, plus on est gros, plus on a de chances de se faire toucher. Pour en revenir un petit peu sur les contrôles du jeu, c'est très simple, on a aussi un bouclier que l'on peut maintenir qui se brise si on le garde trop longtemps activé ou si on se fait trop taper dessus. On peut aussi effectuer quelques glissades, roulades, esquives, aériennes ou non, et ça c'est formidable. Des attaques en course, plein de choses incroyables. Donc là par exemple je vais sortir mon missile Nikita qui me permet de lancer un missile téléguidé. Alors par contre voilà, il y a une nouveauté dans ce Smash Brawl comparé aux autres épisodes et qui n'a pas fait l'unanimité, c'est que parfois, pour une raison qui nous échappe, en courant, on peut trébucher, tout simplement, on peut glisser, j'ai glissé chef, et perdre de précieuses secondes, de précieuses frames d'attaque, et ça, ce n'est pas forcément quelque chose de très agréable, pardon. Petite nouveauté encore, je sais pas si on aura l'occasion de le voir ou non, mais il y a aussi les Final Smash. Les Final Smash, qu'est-ce que c'est? C'est en brisant une boule magique, eh bien, on a la possibilité de sortir une attaque spéciale très puissante par personnage. Donc, comme je disais, des petites, voilà, des petites phases de bonus. Donc là, le smash dans le mille, donc le brisage de cible et de retour. Et on a un temps limité pour briser un nombre de cibles données. Non, dans l'autre sens, Snake. Voilà. Ah, voilà, formidable. Alors, évidemment, on a à notre disposition moult objets comme ceci. Qui, alors dans les combats, nous servent évidemment à prendre l'avantage ou non, puisque il peut avoir, comme le petit champignon qui m'arrête ici, des objets qui nous donnent des malus. Mais en l'occurrence, là pour le coup, ça va plutôt m'aider. Alors c'est dans l'autre sens encore une fois, Snake, hein. Il a des problèmes de direction apparemment. Donc voilà, ça me donne juste des points, hein, ce genre de choses qui ne donnent que des points au scoring final. Et je suis même pas sûr que ça serve à quelque chose à part se la péter entre copains. Paf. Voilà, alors s'il y a des micro-freezes, c'est aussi quasiment normal, hein. C'est l'émulateur qui fait... de la merde en barquette. Des attaques aériennes, des attaques au sol. Voilà, on a des attaques donc smash. C'est des attaques, on va dire, chargées, puissantes, qui nous servent à expulser notre adversaire. Puisque voilà, alors, je le réexplique pour ceux qui auraient dormi dans le fond. C'est un jeu qui n'a pas de barre de vie en premier lieu, contrairement à la plupart des jeux de baston classiques. Mais c'est un jeu où on va augmenter le pourcentage de dégâts à notre adversaire, et plus il a de dégâts, plus il a de chance d'être éjecté du stage. Le but, c'est d'éjecter son adversaire de l'écran. Oula, attention, c'est le bordel. Alors plus il y a d'adversaires et plus j'ai l'impression que l'émulateur a du mal. Pourtant j'ai un bon PC, je ne sais pas ce qui se passe. Alors là on va affronter donc moult Samus à la fois. Alors, heureusement que normalement, voilà, quand elles sont nombreuses comme ceci, eh bien évidemment la difficulté est amoindrie. Sinon, s'il y avait vraiment 10 personnages neutres à affronter, ce serait l'enfer sur Terre. Paf! Voilà! Oh là là! Incroyable! Ce Snake, hein. Normalement, on tape pas une femme, même avec une fleur, mais alors là, lui, il va avec un mortier. Alors, il y a des chops aussi. Alors là, je vais faire un dropkick dans les dents. Formidable! Ah. Fox, un stage normal, hein. Donc Fox McCloud. Prends ça, le Fury! Voilà. Oula, pas fif. Arrête. On arrive dans l'autre sens encore une fois. Putain, il se perd un petit peu dans les contrôles. Ah, donc oui, en termes de personnages, donc plus de personnages qu'auparavant, évidemment, c'est le jeu du plus-plus. Hein, c'est le jeu où on a rajouté un maximum de choses. Alors, je ne montrerai sûrement pas tout. Je vais peut-être même faire, parce que ça risque d'être assez rapide, ce mode aventure. Ce mode classique plutôt. Je risque de faire un deuxième tour de piste. Et donc 35 personnages, à savoir que Snake apparemment était plus ou moins prévu déjà dans l'épisode précédent, hein, donc dans l'épisode mêlée, et ce serait Kojima, donc Hideo Kojima, le papa de Snake, qui aurait quasiment supplié Sakurai, donc le directeur du jeu, le développeur du jeu principal, qui aurait donc accepté cette demande-ci. Voilà, petite anecdote sympathique au demeurant, et pareil, hein, de savoir que donc Sonic
est présent dans le jeu, sachant que bon bah c'était pas nouveau forcément que Sonic soit apparu sur une console de Nintendo. Mais de le voir enfin se fighter avec donc son éternel rival Mario, c'est quelque chose d'assez rigolo aussi. Alors, voilà, paf! Petite balayette incroyable. Incroyable. Ah, Pete en métal, j'ai la Pete en métal, c'est formidable. Pete de Kid Icarus, bien évidemment. Alors le métal le rend plus résistant, mais aussi le rend bien plus lourd, ce qui peut être un avantage comme un inconvénient. Comme ceci, par exemple, il s'est pris un coup de lance-roquette dans les pattes, et il a été valdingué. Ah, Maxi Snake, ah oui, c'est comme ça que j'appelle mon... Pardon. Allez, c'est parti! C'est un gros serpent que je vois, il a l'air d'être très content de me voir. Ah oui, le mortier. Ah pareil, hein, être maxi, c'est pas forcément un avantage. Alors, ça fait plus de bobos. Mais on a aussi plus de chances de se faire toucher. Alors, je vais lui placer une mine, voilà, dans le cul, une mine dans le cul. Paf, le C4. Incroyable. Alors, je rentre pas forcément en détail dans les contrôles et hein, des techniques avancées de joueurs professionnels. C'est pas ce qui nous intéresse le plus ici. Voilà, il se fait avaler par ce gloupti. Je peux en profiter pour lui taper dessus comme le port-salut. Oh non! Oh, j'ai même perdu une vie, je me suis pris une espèce de dropkick, enfin de coup de pied incroyable. C'est un gros carton que vous avez fait là, monsieur, là. Allez. Ah voilà, il peut placer une mine. Une mine au sol, alors ça c'est un bas smash, hein, enfin un smash bas plutôt, qui a été remplacé apparemment dans la version Switch, la version Ultimate. C'est plus du tout ce qu'il fait. Oh putain, il est vénère le Snake. Alors Snake est considéré par la communauté comme étant un des meilleurs personnages de cette version Brawl. Alors apparemment il est encore excellent dans la version Switch, mais dans la version Brawl c'est un des top tiers du jeu, je crois que même c'est considéré, je crois, comme le meilleur personnage. Smash dans le mille, encore une fois. Ah mais là c'est un peu plus compliqué, je crois. Ah, la bombe qui n'a pas voulu fonctionner, ça c'est formidable, hein. On aime. Ah, elle a marché mais à retardement. Alors il y a des grenades aussi. Snake dispose quand même d'un arsenal assez conséquent. Mais non, mais j'ai pas envie de faire ça, mais il est con ou c'est moi qui suis bête? Alors, je pense que c'est un peu des deux. Hein. Alors, par contre, ce qui est bien avec Snake, c'est qu'avec son Nikita, eh bien, on peut très facilement... Eh bien, oui. Mais non, mais arrête, arrête, c'est chiant. Mais non, mais... Ah, j'ai tombé. Alors, par contre, voilà. Perdre dans un stage bonus... Ne nous fait pas perdre de vie, ça fait juste que le stage se termine. Là, on est à 1 contre 3, attention. Paf! Incroyable. Ah là là, ah, ça picote. Hein. Ah, par contre, voilà, on a vu que Lucas est petit suicidé. Alors, je crois que c'est tout le monde contre tout le monde au final. Alors, évidemment, ils vont essayer de m'en foutre plein la gueule. À partir du moment où je survis. C'est le plus important. Ah, lâche-moi Luigi, bordel. C'est pas parce que personne ne t'aime que faut nous faire chier comme ça. Ah, on s'envole vers d'autres cieux. Oui, attention, là, la mine, voilà. Ah, la Pokéball. Donne-moi la Pokéball. Paf. Oh, super, hein, ça aurait pu être mieux que ça, quand même. Et tiens. Ah, oh, merde. Alors, je vais faire un truc, d'ailleurs. Ça, c'est une caisse explosive. S'il y a du feu près de la caisse, eh bien ça fait boum boum comme ça, boum. Ah, et la balle smash. Donc du coup la balle smash, on l'a pu la voir, mais je n'ai pas pu interagir avec. Formidable, stage 12, je crois que c'est le stage final, si je ne dis pas de bêtises, ça charge bien plus longtemps, oui. On se bat donc cette fois-ci contre Kreama. Kreama qui est un personnage que l'on ne peut pas diriger, qui dispose d'un certain nombre de points de vie. Donc là, il va falloir tout simplement enchaîner les attaques en esquivant les siennes. Oh, cette attaque spéciale de Snake là, enfin cette attaque neutre aérienne est délicieuse. Elle fait beaucoup de dégâts. Attention, j'esquive, ça chope, voilà, formidable. Paf! Coup de pied descendant. Voilà, c'est pas grave. Tac, tac. Oh, il prend tellement cher. Ça va déjà être terminé bientôt là, oui, paf! On peut spammer, hein. On peut spammer allègrement. Et paf, un petit coup de mortier pour le finir. Formidable, oui! Ah! Alors moi je me souviens en fait de l'annonce de l'E3 en 2006 qui était fantastique. Je me souviens encore, c'est l'époque où je disposais pas forcément d'internet, mais où on retrouvait souvent dans les magazines
eh bien, des DVD qui faisaient des résumés de, des E3. Hein, c'est des choses qui se faisaient à l'époque, pour ceux qui n'étaient pas forcément au courant. J'en dispose encore même de un ou deux, je crois, DVD. Et c'était le genre de choses qui hypaient à fond, puisqu'on pouvait choisir donc, eh bien, la vidéo à regarder. Et lors de l'annonce de Smash, déjà j'ai tout fou, puisque moi j'aime beaucoup Smash déjà de base. Et lorsqu'il y avait en fin de vidéo un petit bonus sur... Sur des combattants comme ça qui se foutent sur la gueule, et on voit donc Snake qui sort son carton. Non, je crois que même ça commence avec Snake, une conversation au codec. Et j'étais tout fou à l'époque, j'y croyais pas, je suis genre, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? N'importe quoi, il y aura jamais Snake dans Smash Bros. Et si en effet il est sorti de sa boîte, et je fais putain, ça c'est le meilleur jeu du monde. Et la petite anecdote personnelle dont tout le monde s'en branle, j'ai même réussi à avoir le jeu en version Jap quelques jours avant sa sortie, puisqu'il s'est sorti, je crois, un peu plus tôt au Japon. Et j'ai réussi à avoir avec un freeloader, machin, le jeu en avant-première. Par contre, petite chose un peu relou, c'est que le jeu, je ne sais pas pourquoi, quand il passait sur ma télé, il passait en noir et blanc. Et le seul moyen de l'avoir en couleur, c'était de le mettre sur la télé de ma maman chérie. Et du coup, j'avais une grande télé dans ma chambre et je lui refilais une petite télé. Et au bout d'un moment, on se dit, bon bah c'est gentil, mais c'est un peu dégueulasse quand même. Du coup, quand le jeu est sorti, j'ai enfin racheté le jeu et revendu l'ancienne version en version japonaise. Tout ça, en fait, pour pas grand chose. Oh, ce petit plan sur ce boule, incroyable. Alors, il était aussi nerfé du boule. Oh, un nouvel ennemi approche. Parce que oui, en fonction de certains événements, on débloque de nouveaux personnages. Et donc là, je vais affronter Captain Falcon. Captain Falcon, célèbre pour son Falcon Punch. Paf. Oh là, c'est incroyable, il esquive. Il est extrêmement agile, il est habile comme Jaja. Paf. Mais c'est sans compter la dextérité de Snake, qui va n'en faire qu'une bouchée. Attention, voilà, super, je dis ça et je me prends une voiture dans la gueule. Tiens, bâton magique. Oh là, il a récupéré mon attaque. Paf. Et voilà, je me suicide à coup de noix mojo. Et voilà, donc j'ai donc débloqué Captain Falcon. Et avec, encore une fois, moult petites choses à débloquer par-ci par-là, des musiques, en veux-tu, en voilà. C'est formidable. Ah oui, Captain Falcon, le pilote invincible de F-Zero, a pris part au combat. Ah, j'ai terminé le mode classique pour la première fois. Oui, arrête. Alors, on débloque beaucoup de choses dans le jeu. On débloque beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors oui, on va refaire un... Ah, on va prendre Captain Falcon. Voilà, je pourrais prendre Mario, je pourrais prendre Ike, que j'aime beaucoup aussi dans ce Smash Brawl. Mais on va prendre donc le nouveau venu Captain Falcon, qui est ma foi extrêmement intéressant à jouer. C'est parti, on va laisser en normal. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce jeu? En termes de chiffres, on peut trouver le jeu en complet, boîte, manuel et jeu compris sur eBay pour une quinzaine d'euros, donc ce qui en fait, ma foi, un titre totalement abordable. On a aussi donc accès à moult speedrun, parce que oui, c'est un jeu qui se speedrun apparemment. Et il existe une catégorie, donc mode classique avec tous les personnages en difficulté normale qui se finit en 4h45 minutes et 45 secondes, très exactement. Paf! Voilà, ça prendra à faire des chèques en bois. Quelle bonne blague! Et sur JVC, les testeurs lui ont donné l'excellente note de 18 sur 20. Ah, on retrouve un petit peu les mêmes adversaires. Normalement, ils changent en fonction du personnage, mais là, bon, on a pris la même. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, ce Captain Falcon? Eh bien, c'est très simple. Comparé à Snake, il est bien plus habile, bien plus nerveux, on va dire ça comme ça. Il dispose pas d'attaque à distance, il dispose pas forcément de projectiles. Mais ses attaques sont rapides et puissantes, surtout ce coup de genou de la justice qui, lorsqu'il touche à un angle bien précis, fait beaucoup de projections. Voilà! Voilà! Oh, c'était ça! Ce coup de genou... Oh, incroyable! La pose du charisme! Dracofeu! Formidable! Tiens, moi je tape des créatures innocentes! Ah, incroyable, il a esquivé! Ah, le feu contre le feu, paf! Falcon Punch dans le vide. On prend les mêmes, on recommence. Ah oui, il y a aussi l'introduction des trophées Head qui font apparaître des personnages, pareil, non jouables. Et là, on a donc Grey Fox, encore une fois, de Metal Gear. Hein, comme quoi, c'est des thèmes récurrents qui vient normalement nous aider. Alors là, par contre, à part sauter dans tous les sens, il n'a pas forcément fait grand-chose. Il était un petit peu feignant aujourd'hui, Grey Fox. Paf! Et je suis tout petit pour finir. Incroyable. J'ai un petit faucon. C'est un faucon, connaît. Ah, Marth et Ike. Ah, par contre, ils me foutent Lucas en aide. Bon, voilà quoi. C'est pas ce que j'aurais préféré, mais bon.
On va dire que ça fait l'affaire. Allez, paf. Alors c'est le bordel, hein. Pour ceux qui n'auraient jamais joué à un Smash, c'est vrai que ça peut être parfois assez difficile à comprendre. Mais avec la manette entre les mains, on comprend quand même relativement vite ce que l'on doit faire. C'est ça qui est bien en fait, c'est un jeu que lorsqu'on ne sait pas jouer non plus, on peut prendre un certain plaisir entre copains. Comme beaucoup de choses apparemment. Tiens. Ah, formidable. Et ouais, c'est un jeu qui reste fun malgré tout, même quand on ne sait pas forcément jouer. Alors c'est peut-être un peu moins amusant quand vous avez d'excellents joueurs, comme moi par exemple, qui font d'excellentes attaques, d'excellents combats. Mais voilà, en tout cas, c'est un jeu qui est très rapidement addictif. Alors, j'aimerais prendre, voilà, la bombe. Ah, super, et pas dans la gueule. Alors, attention, voilà, je prends... Paf. Alors, non, descend. Mais non, mais, ah, bordel. Voilà. Ah, oui. Allez, la dernière. Et voilà. Ah, merde. J'étais un peu trop confiant. Paf. Regardez-moi cette pose incroyable avec cette combinaison sous vide. Ah, Meta Knight. Meta Knight, il faut le savoir, il a été banni des tournois parce qu'il était complètement pété. Alors pas dans le sens où il est très très fort, dans le sens où il est complètement pété. Il a des coups qui tuent, il a une très bonne mobilité. Donc il a été, je crois que c'est un des seuls personnages banni des tournois. Parce que bon, sur Smash 4, donc sur la Wii U, Bayonetta est très peu apprécié, on va dire, de la part des adversaires. Puisque considérée comme extrêmement dangereuse. Mais elle n'a pas été nerf, elle n'a pas été bannie pour autant. Après moi je joue pas de manière compétitive à Smash, hein. Pour moi ça a toujours été un jeu du plaisir et de la détente. Oh, regardez-moi cette pose incroyable, ce coup de pied enflammé, oui. Ah, Olimar, Olimar de Pikmin, hein, qui apparaît pour la première fois donc dans Smash Bros avec l'épisode Brawl. Arrête. Arrête, c'est chiant. Mais bordel, mais tu... Tiens. Mais bordel, il esquive tout, il est très fort. Olimar, top tier du jeu. C'est confirmé. Voilà, coup de genou incroyable. Ah, il est vénère, là. J'essaie de le choper et le balancer dans la gueule du truc, là-bas, là. Allez, descends. Descends, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, bordel. Ah bah super, c'est trop tard. Non. Mais non, mais... Ah, le terrain qui... Et recouvert de pluie, bien évidemment. À top tier du jeu, hein, je peux rien faire. Et... Ah, mais arrête. C'est chiant. Mais arrête. Ah, voilà. Enfin. Formidable. Équipe Fox. Incroyable du cul, oui. Paf. Oh, lui, il commence, il en prend plein la gueule, hein. Il n'a rien demandé à personne et pourtant il décède déjà. Ah voilà, super. Putain, je me fais prendre en sandwich par des renards. Mais lâche-moi, monsieur. C'est un truc qui va me filer à la gale. Tiens. Ah oui, le peuple m'acclame. Oh, je suis mort. Première vie perdue, c'est pas grave. Ils étaient quand même plutôt motivés, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je sais pas ce qu'ils ont mangé ou pas. Paf. Et voilà, pourtant, c'est plutôt simple d'en venir à bout, hein. C'est plutôt facile, pourtant, de les battre. Maxi Mario. C'est parti, Maxi Mator. Allez, hop. Ah, Delfino Plaza, en plus. Mario Sunshine, hein, on le rappellera jamais assez. Le meilleur Mario, à mon goût. À mes yeux, en tout cas. Avec cette musique incroyable qui donne très envie de partir en vacances. Voilà. Ah, Watcha. Oh, Falcon. Merde. Alors, également, le Falcon Punch n'est pas invincible. Alors, je sais pas ce que c'était, mais quelque chose est apparu et m'a envoyé valser. Je suis pas très content. Ah, le Pit Metal. Hein. Apparemment, il n'a pas compris la leçon. Alors, le mieux avec lui, c'est encore une fois de le choper. Allez, mais laisse-toi faire, darling. Voilà. En plus, il a, voilà, il a quelques frames, on va dire, de protection. Ah. Alors là, il a déposé une mine en hauteur. Arrête. Paf. Et voilà.
Allez. Oh, encore un Maxi Snake. Ça s'est pas très bien passé la dernière fois. Hein. On va voir si j'aurai un peu plus de chance cette fois-ci. Alors là, il en prend plein la gueule. Un combat très technique. Voilà, il est déjà presque... Voilà, il est à 100% maintenant. Voilà. Ah, combat très intéressant. Ah, on s'amuse. Ah, voilà. Comme quoi, être grand, c'est pas toujours un avantage. Alors, il y a un truc à péter, je ne sais pas quoi. Apparemment, c'est peut-être sa mine. Elle a décidé d'abandonner et de faire l'amour au mur. Voilà. Alors, par contre, c'est bien mieux passé cette fois-ci. On a pu voir donc le Metal Gear Rex derrière. Qui faisait une entrée fracassante. Allez, est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? Je ne sais pas. On va le découvrir bien assez vite. Paf, voilà. Voilà. Allez, encore 6. Voilà, on peut faire des wall jumps. Certains personnages peuvent faire des wall jumps. C'est pas le cas de tout le monde. Généralement, c'est les personnages les plus agiles ou légers. Évidemment, faut pas attendre que Bowser fasse ce genre d'acrobatie. Je viens de me petit suicider, encore une fois, c'est pas grave. Dans le même trou, apparemment, il était très agréable. Ah, Wario aussi, hein, qui fait pour la première fois son entrée sur la version Brawl. Le personnage, ma foi, très classieux. Allez. Oh, merde. Voilà, arrêtez. Arrêtez de vous battre. Attention, voilà. Formidable. Bravo, merci Pikachu. Hein. Ah, je suis déjà en haut pourcentage. Kirby, il est vénère, par contre. Hein. Voilà. Paf. Attends, t'as oublié ta moto. Incroyable esquive. Aïe. Coup d'épaule. Voilà, on revient sur le terrain. Je prends un petit café. Un rail de coca, un café. Et ça devrait bien se passer. Voilà, hop. Voilà, Shoryuken, évidemment. Non, mais arrête. Ah, et voilà. Une autre vie perdue, c'est pas très grave. Oh, quelle esquive incroyable. Et ça, tu l'as esquivé, bâtard. Ah bah oui, super, il l'a vraiment esquivé en plus. Et là, mon Falcon Punch, aussi. Il est déterminé. Il est très chiant. Je vais le finir avec un Falcon Punch. Je le jure devant tous, je vais le finir avec un Falcon Punch. Un jour, il va se faire avoir. Ah merde, arrête de me choper, bordel. Hop. Ah là 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 là. Ah, j'ai encore mou. Ah non, je le jure pas, en fait. Parce que j'aimerais pas perdre. Voilà. Je vais finir avec un Knee of Justice ou pas? Mais non, mais je m'en fous de ton épée laser en action, là. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant, il va me battre à cause de son putain de truc. Incroyable. Quel personnage agaçant. Ah bah en fait, il s'est eu tout seul avec le bumper. Bon, okay, d'accord. C'était tordu du slip, mais bon, là, c'est la créa main, ça va être plutôt facile. Allez, on y croit. On y croit. Oh, je suis très très méchant. Si tu savais ce que j'ai fait avec cette main, tu voudrais pas y toucher. Voilà. Déjà 50% en moins. Enfin 50 PV en moins. Ah non, lâche-moi, 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 lâche-moi. Voilà. Bon, il faut triturer sa manette le plus rapidement possible pour se défaire de son emprise, bien évidemment. Et paf. Ah, je vais peut-être faire un perfect même. Perfect. Incroyable, je me suicide pour la peine, regardez-moi ça. Falcon Kick. Incroyable. Terminé en normal, oui. Et à chaque fois, on a bien évidemment un petit trophée qui s'ajoute à notre collection. Donc à savoir qu'il faut faire ce mode-ci 35 fois avec tous les personnages, c'est un peu long. Hein, on en conviendra. Il y a le mode All-Star aussi qui permet d'affronter tous les personnages à chaque fois. Donc un jeu avec énormément de contenu, avec un petit jeu bonus à la fin, il suffit de toucher les cibles pour engranger des pièces, pièces qui évidemment nous serviront à des mini-jeux pour avoir encore plus de choses à débloquer, formidable. Ah, ça va donc conclure cet épisode d'Arcadémy sur Super Smash Bros. Brawl, un excellent jeu de baston sur la Wii, à savoir qu'il a été un des jeux les plus vendus sur cette console avec 13 millions
29 000 exemplaires au total. Ah, est-ce que j'aurai un adversaire à affronter? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de personnage débloqué. Bref, sur ce, moi je vais donc vous dire à bientôt pour un prochain jeu rétro. Prenez soin de vous et à très vite. Salut !